Couvrez la fenêtre avec quelque chose. Je n'ai pas envie de voir la lune. Je déteste vraiment la lune. La vie est vraiment étrange. Nous apparaissons dans ce monde et nous le quittons. Parfois, nous terminons notre histoire et parfois, nous ne le faisons pas. Mais la lune est toujours le témoin de notre histoire. Tanou, ta tache de naissance est en train de briller. On dirait que celui qui t'est destiné est en train de penser à toi en ce moment. À qui je suis destinée? Je pense que t'as oublié l'histoire de ton papa. Le prêtre l'a dit en faisant votre calendrier de naissance. Que tu es destinée à quelqu'un et que ta tache de naissance est un signe que tu as une vie antérieure et qu'elle est liée à l'amour de ta vie. Ça ressemble à un R écrit en hindi. Et j'espère que ce n'est pas le R de racaille. Qui sait, peut-être que tu as rencontré une racaille dans ta vie antérieure. Tu dis n'importe quoi encore. Je vais te donner une leçon. Ah Tanou, arrête, je suis désolée. Oh. Est-ce que tu t'es fait mal? Laisse-moi t'aider à te lever. Ah. Fais attention, doucement. Est-ce que tu es blessée? Assieds-toi ici. Voilà, assieds-toi. Assieds-toi. Attends, tes mains sont sales maintenant. Attends ici. De l'eau. Laisse-moi voir. Tanou, je t'ai taquinée et quand même tu m'as aidée quand je suis tombée. Tu sais, c'est la première fois que je rencontre une fille comme toi. Tu te soucies tellement du bien des autres. Tanou, tu sais, j'espère simplement que quelqu'un viendra un jour te donner autant d'amour. Sérieusement, je t'aime tellement. Tu n'as pas à t'inquiéter pour mon avenir. Écoute, tu devrais te dépêcher de te nettoyer, tu vois? Ou sinon, la racaille viendra jusqu'ici et te poursuivra, tu vois? Deux vétérans vont s'affronter dans ce ring. Dans quelques instants, le tournoi d'arts martiaux mixtes va bientôt commencer. Alors tout le monde fait du bruit. Ouais. Et voici notre premier combattant de ce soir, Nakul. Regarde par ici. Super, chouette. Nakul. Allez, champion, allez. Allez, Nakul. Oui. Bien réussi. Il aurait dû être. Il y a trop de bruit. Allô. Allô, Rishi. Mais où est-ce que tu es passé, mon frère? On t'attend. Le combat de Nakul va bientôt commencer. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai une réunion importante. Tu es son mentor et il te considère comme son maître. Enfin, si tu ne viens pas le voir, il ne pourra pas se battre. Écoute, il a décidé de faire ce défi pour t'impressionner, en fait. Est-ce que tu m'écoutes, Rishi? Rishi? Vous avez 5 minutes. Mon offre finale est de 1,2 milliard. À prendre ou à laisser? Rishi, qu'est-ce que vous racontez? Prendre une décision aussi importante en 5 minutes, je sais que mon entreprise vaut au moins 2 milliards de roupies. Et votre offre est insuffisante. Même pour moi, j'ai une dette de 1,4 milliard que je dois finir de payer. Vous devriez être heureux que j'ai accepté de racheter votre entreprise. Personne ne voulait y toucher sur le marché. Et ensuite, vous parlez de dette? Votre villa vaut 400 millions, n'est-ce pas? Remboursez votre dette en la vendant et gardez le reste des 200 millions. L'offre va disparaître dans les 20 prochaines secondes. D'accord, j'accepte. Je suis d'accord avec cet accord. Bien. Passez une bonne journée. Merci.
qui a laissé cette fenêtre ouverte. Quand tu regarderas la lune, nous allons toujours nous manquer l'un à l'autre. Mais la lune apparaît à une heure différente aux États-Unis. Oui, nous allons penser l'un à l'autre, même si c'est à des moments différents. Pourquoi tu regardes la lune comme ça? VD? Est-ce que tu crois que la lune, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur nous? Sur notre passé, sur notre vie antérieure? Et aussi sur... L'amour? Que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans une autre vie? Tu sais quoi? Quand je lève les yeux vers la lune, j'ai l'impression que... j'ai une histoire que je dois absolument terminer. Pour l'instant, elle est incomplète. Dès que je regarde la lune, je sens qu'elle veut me dire quelque chose. Une sorte d'histoire. Vraiment ? Je trouve ça vraiment étrange. Nous apparaissons dans ce monde et nous le quittons. Parfois, nous terminons notre histoire et tu vois, parfois, nous ne le faisons pas. Mais la lune... la lune est toujours le témoin de notre histoire, le témoin de notre amour et tous ses secrets, tous ses aspects, ses facettes que nous ne remarquons jamais et vus par la lune. La lune est le témoin de la fin de notre histoire. Pourquoi est-ce que tu ris? Eh bien, je me moque de cette histoire vraiment qui est à dormir debout sur la lune. Et je suis sûre qu'elle se tient devant la lune, avec les bras tendus encore une fois, comme si elle avait envie de le nettoyer. Nidhi, mais... Quoi encore? Tanuja, tu peux m'expliquer ce que tu vois dans la lune? Je ne comprends pas. Tu devrais plutôt regarder quelque chose de beau comme des garçons, ceux qui sont musclés. Tu pourras en trouver quelques-uns juste au coin de la rue. N'est-ce pas? Oui, c'est ce que je lui disais. Tu sais quoi, Tanu? Tu dis que des sottises. Exactement. C'est ce que je n'arrête pas de lui répéter. La lune a l'air de dire ceci et cela. Dis-moi, est-ce que tu peux voir la lune la nuit? Non. Exactement. Elle est absente pendant la journée. Alors, comment peut-elle nous voir? Et en plus, elle ne peut pas nous voir la nuit. Elle est sûrement fatiguée. C'est ce que j'allais lui dire. La lune va derrière les nuages pour dormir, n'est-ce pas? Ça suffit. Assez parlé de la lune. Allez, maman t'a demandé de venir. Prends ça. Vas-y. Tanuja, regarde la lune. D'accord? Fais attention. Ne la regarde pas trop longtemps, ou alors elle aura des boutons. Elle ne peut pas avoir de soins de visage, tu sais. La lune... qu'a-t-elle envie de me dire? C'est l'histoire de qui? La mienne? Ou celle de quelqu'un d'autre. Monsieur, vous m'avez appelé? Combien de fois dois-je dire de garder les fenêtres fermées? Monsieur, la serrure ne fonctionne pas. Alors remplace la fichue serrure, ou tu te feras remplacer. Écoute, couvre cette fenêtre avec quelque chose. Je n'ai pas envie de voir la lune. Je déteste la lune plus que tout au monde. C'est compris? Va-t'en! La lune est tellement malchanceuse. Elle est le témoin de l'amour des gens. Ils font des promesses par amour. Et puis ils se séparent pour toujours. La lune a dû pleurer tellement en tant que témoin. Quand elle a perdu ses deux cœurs qui prétendaient s'aimer.
La lune est tellement chanceuse. Les gens tombent amoureux devant la lune. Elle est témoin de leurs promesses. Et elle les voit ensemble pour toujours. Elle doit être si heureuse. D'être le témoin de l'amour. Elle voit ses deux cœurs se réunir sous sa lumière. Elle doit sûrement être heureuse pour eux. Oh mon Dieu, maman! C'est pas croyable! Je suis si contente de te voir. Qu'est-ce qui t'amène ici, dis-moi? Comment vas-tu, maman? Tu es vraiment ravissante! J'ai des choses à te dire. Oui. Assieds-toi là. Je pensais vraiment que tu ne viendrais pas à Mumbai. Je me suis dit que je devais venir à Amritsar et être bénie deux fois. Comme je devais aller prier au temple, j'ai décidé de venir te voir, n'est-ce pas? J'ai une prière à faire au Tout-Puissant. Je vais lui demander de nous sortir de la terrible pauvreté où nous nous trouvons. Sinon, bientôt, nous nous retrouverons sans rien du tout. Pourquoi est-ce que t'as épousé un pauvre idiot comme papa? Tu aurais dû épouser un homme riche. J'aurais été la fille d'un homme riche si papa avait beaucoup d'argent. Nous nous ressemblons beaucoup en ce qui concerne nos époux. Tu as aussi gâché ton avenir en allant épouser Sandy. Nos maris n'ont pas le moindre sou en poche. Oui. Grand-mère! Oh, vous voilà enfin les filles, c'est si bon de vous voir. Comment est-ce que vous allez? Vous savez, si j'avais ne serait-ce qu'un peu d'argent avec moi, je serais venue vous chercher pour faire une balade en hélicoptère. Maman, aurais-tu trouvé un endroit pour qu'un hélicoptère puisse atterrir chez toi? Il atterrirait juste ici. Comme tu es bête, tu ne comprends rien. Si tu avais été riche, ma fille, tu aurais certainement une grande maison maintenant, n'est-ce pas? Tu as raison, oui. Mais de toute façon, tu verras un jour mes filles deviendront toutes les deux de vraiment grandes actrices. Et ensuite, elles se marieront avec des hommes très riches et feront l'honneur de notre famille. Notre maison sera aussi grande que la maison de Shah Rukh Khan. Janat, c'est le nom de sa maison, hein? Maman? Pas Janat, Manat. La maison de Shah Rukh Khan s'appelle Manat. Oh, mes filles auront aussi leur Manat. Au fait, grand-mère, comment vas-tu? Quand es-tu arrivée? Je vais très bien, je viens juste d'arriver. Et je vous ai fait venir dès mon arrivée, n'est-ce pas? Oui, grand-père, il n'est pas venu? Tu sais bien que je ne peux pas le laisser seul une seule minute. Il est avec moi. Il est sûrement en train de parler à ton père. Vraiment? Je reviens tout de suite. Attends, où vas-tu? J'ai fait tout le chemin depuis Mumbai pour venir vous voir. Où est-ce que tu vas? Allez, viens, rattrapons le temps perdu. Allez, dépêchez-vous. Grand-mère? J'ai entendu ta voix et j'ai tout de suite su que c'était toi. Grand-mère. Ah, d'accord, c'est bon. Eh oh! Mais pourquoi est-ce que tu boudes ainsi? Elle a eu raison, hein, tu sais. Dès que tu l'as vue, tu t'es jetée sur elle comme si c'était une tour. Tu l'as prise au dépourvu, fais attention. En fait, maman, son thé est excellent. Vraiment? Demande à Sandy, c'est lui qui dit ça. Tu en veux? Mais bien sûr que j'en veux. Je ne peux quand même pas refuser qu'on m'offre du thé, n'est-ce pas? Allez, va nous faire du thé. Je vous apporte ça tout de suite. Attends, leur grand-père et Sandy sont dehors en ce moment. Prépare-en pour eux aussi, d'accord? Oui. Vas-y. Elle est trop polie. Elle est en train de me rendre folle, maman. À chaque fois qu'elle est là, je suis obligée de me forcer à sourire. J'ai mal au mâchoire à force. Si je ne souris pas, mon mari me fait la morale toute la journée. Je ne comprends toujours pas. Quelle était la relation entre Vikram et Sandy autrefois? Pourquoi a-t-il accepté d'assumer un tel fardeau? Oui, tu as raison. Ils étaient seulement des amis. Ils n'étaient pas frères. De nos jours, même ta propre famille ne veut pas t'aider. C'est vrai. Tu sais, je crois que j'ai une solution pour pouvoir nous débarrasser d'elle. Vraiment? Allez, vas-y, dis-moi. C'est vraiment un plan très simple. Et en plus, tu ne perdras pas de temps, d'argent ou d'efforts. Tu as juste à la laisser dans un orphelinat quelque part. Oui. Qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai pas déjà essayé? J'ai déjà tout essayé. Et je crois bien que cette sorcière a réussi à jeter un sort à mon Sandy. Vraiment? Il ignore les adorables filles que j'ai mises au monde, tu sais, maman? Vikram et sa femme ont pris soin d'elle pendant seulement 9 ans et nous l'ont ensuite confiée. Et maintenant, ils sont tous les deux décédés. On doit s'occuper d'elle. J'en ai plus qu'assez de m'occuper de cette fille. Et tu sais quoi d'autre? Sandy ne me complimente jamais pour quoi que ce soit. Demande-leur. Ma pauvre petite fille, vous avez tellement fait pour elle. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour elle, hein? Alors là, tu ne peux même pas imaginer toute ma peine, maman. Que ce soit de faire le ménage, de nettoyer la maison, de balayer, presque tout. Tu fais tout ça toi-même? Bien sûr que non, c'est Tanuja qui s'occupe de tout ça. D'accord. Mais tu sais, je ne me plains jamais du travail qu'elle fait ici. Je m'y suis habituée maintenant. Je nettoie tellement bien les vêtements qu'il n'a pas une seule tache, tu sais. Tais-toi, n'interromps pas ta mère quand elle parle. Oui, ma chérie, quoi d'autre encore? Raconte-moi. Je disais que je m'y suis habituée.
Sandy me donne 2000 roupies à chaque fois qu'il y a un festival. C'est soi-disant pour faire du shopping. Oh. 2000 roupies, c'est pas grand-chose. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? On peut acheter 3 robes dans la rue pour 500 roupies. Mais tu sais que Tanuja est une personne très économe par nature. Je garde son argent pour moi. Franchement, maman, elle devrait me remercier pour tout ce que j'ai fait pour elle. Waouh, tu as sûrement économisé beaucoup d'argent, laisse-moi voir. Quoi? Mais quelle économie? Et j'ai acheté des bracelets avec. Tu as vraiment acheté ça? Oui, maman, hier justement. Mon Dieu, ma chère fille, tu fais tellement de choses pour Tanuja. Oh, quelle idiote! Alors, dites-moi, comment se porte la laiterie ces derniers temps? Tout se passe bien, figurez-vous. Bien et bonjour, grand-père. Ah, bonjour, ma fille. Eh bien, c'est ton fameux thé chaud. Mais pourquoi y a-t-il autant de tasses? Les autres m'attendent aussi à l'intérieur. Prends-en une. Je vais aller servir les autres. D'accord, ma fille. C'est ma fille la plus adorable. Nous ne sommes pas liés par le sang, mais elle est plus que de la famille. Bah ça, Sandy, ce thé me fait penser à quelqu'un que je connaissais. Elle faisait du thé exactement comme ça. Dites-moi, de qui est-ce que vous parlez? Vous savez, je parle de celle que vous avez tuée. Je veux dire... Écoutez-moi bien. Vous l'avez dit une fois. Que je ne vous y reprenne plus. Je vous en conjure. D'accord. Maman? Oui? Tu ne crois pas que Vidier est devenue beaucoup trop proche de Tanuja? Oui, je traîne avec elle, mais avec qui je traîne le plus? Avec toi. Je veux dire que dans mon cœur, tu es ma préférée. Tanu est juste un pété? Pété? Qu'est-ce que c'est que ça? Un passe-temps, grand-mère. Oh! Je veux dire, la plupart du temps, je lui demande juste de venir nettoyer ma chambre. Et elle fait tout ce que je lui demande, contrairement à toi. Vidi? Comment ça, pas comme moi? Tu n'insinues pas que tu voulais me demander de nettoyer ta chambre? Je ne suis pas ta servante quand même. Tanuja nettoie ta chambre puisque c'est bien une domestique ici, pas moi. Je suis la princesse de grand-mère, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Tu sais que ta grand-mère était une princesse elle aussi il y a longtemps. Mais ce n'est pas grave, j'en suis toujours une. Je suis toujours une princesse, dans tous les sens du terme, croyez-moi. Raconte-nous, grand-mère. Mais ce n'est pas quelque chose dont je peux parler. C'est... quelque chose qu'on peut manger. Je vous ai apporté une petite surprise. Oh, laissez-moi voir. Je vous ai apporté des chocolats. Merci, grand-mère. Laisse-moi prendre le chocolat de Tanuja, je vais le manger. Je n'en ai pas apporté pour elle. Ma fille, désolée, je n'ai pas pris de chocolat pour toi. En fait, ce n'est pas de ma faute. J'ai payé le boutiquier pour des chocolats pour toi aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il était tellement occupé qu'il a dû oublier de me donner les chocolats pour toi. La prochaine fois, j'apporterai plus de chocolat pour toi, promis. Ce n'est pas grave, grand-mère. Je suis contente que tu sois venue. J'en suis vraiment très heureuse. Ah oui, Tanu, est-ce que tu pourrais aller... Tu as oublié. Je t'ai déjà dit comment il fallait que tu l'appelles, Tanuja. Vous savez, elle le raccourcit à chaque fois, espèce d'idiote. Du thé? Maman? Tenez. Ah, pose-le. Il va refroidir. Et alors? Fais-le refroidir. Je t'ai dit de le poser sur la table, alors fais-le. Alors, tu vas rester debout ici? Va couper les légumes, va préparer le dîner. Vas-y. Attends, coupe quelques fruits pour moi. Et pour moi aussi. Quoi? Apporte de la papaye. J'ai besoin de manger un peu de fibres, je suis constipée. Allez, vas-y. D'accord? Attends, mais la chaîne précédente. Oui, d'accord. Voilà. Et voici notre premier combattant de ce soir, Narkoul. Wow! Le combat d'aujourd'hui va être le plus impressionnant de toute la compétition. Et à l'issue du combat, il y aura un gagnant. Et surtout, il y aura un perdant. Le combat sera tellement dangereux qu'un des deux combattants pourrait en mourir. Si un de vous deux n'a vraiment pas envie de mourir ce soir, vous n'avez qu'à vous asseoir, joindre vos mains et demander pardon à votre adversaire. C'est vraiment simple. Si un des deux combattants demande pardon ce soir, il ne va pas perdre. C'est plutôt son entraîneur, celui qui lui a appris à se battre, qui va perdre. Maman? Tu ne préfères pas regarder un film anglais? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu es si intéressée par les sports de combat aujourd'hui? Maman, tu ne comprends pas? Elle ne regarde pas les combats. Elle est beaucoup plus intéressée par les corps musclés à l'écran, tu vois? C'est ça qu'elle regarde.
Tu as vraiment un esprit mal placé. Ta mère a certainement dû oublier ton esprit à l'hôpital dans lequel tu es née, ma pauvre fille. C'est pour ça que tu ne réfléchis pas. Messieurs, monsieur Rajvir, je viens juste de voir un vieil homme passer dans la foule. Il ressemblait à monsieur Raj. C'était un monsieur chauve. Et ils vont le repasser, regardez bien. Je vais voir. Je pourrais reconnaître la tête de cet homme n'importe où. Ah ! Oh ! Oh ! Je me suis brûlée ! Oh ! Je me suis brûlée la main. Je suis sûre que tu l'as fait exprès. Non, pas du tout. Ma mère a fait tout le chemin jusqu'ici pour me voir. Et toi, tu lui brûles la main ? Mais tu l'as brûlée la main parce que tu n'as pas eu de chocolat ? Voilà à quel point tu es jalouse ! Hein ? Et maintenant, tu veux aussi nous dire que le thé s'est simplement renversé tout seul ? Je t'avais bien dit de me laisser prendre le thé. Pourquoi l'as-tu posé ici ? Tu m'as brûlé la main. Mais j'ai... offert... Je vous ai offert du thé. Tais-toi ! Je sais bien que tous les meurtriers inventent des excuses comme tu le fais. Ils refusent d'accepter leur crime. Mais je sais très bien que tu as fait exprès de me brûler. Je le sais. Quand je t'ai rencontrée pour la première fois, j'ai pu le voir dans tes yeux. Que tu allais faire un mauvais coup. Et tu l'as vraiment fait. Tu as brûlé ma main aujourd'hui. Et bientôt, tu brûleras aussi tout le reste. Néa, je ne peux pas rester ici. Je vais partir tôt demain. Non, attends. Écoute-moi avant. Allez. Allez. Allez, viens. Viens t'excuser. Excuse-toi. Dépêche-toi. Pardon. Oui, ce n'est pas grave. J'accepte de te pardonner, seulement pour cette fois. Tu devrais être contente que je sois si généreuse. Si tu avais été quelqu'un d'autre, je lui aurais jeté cette tasse. Je veux dire, tu m'as vraiment mise en colère cette fois. Tu n'as pas intérêt à recommencer. Allez, mon garçon, rends-moi Pierre, allez, vas-y, donne tout. Montre-moi ce que tu sais faire, allez. Néa, regarde, regarde. Monsieur Rajvir, Manpreet, Yuvraj. Mesdames et messieurs, regardez ça, regardez ça. S'il fallait choisir la personne la plus enthousiaste, ce serait sûrement le père de Nakul, Yuvraj Singh.